Donc, je suis Chloé Toiti, je suis cofondatrice du cabinet Authentique Talent et on est un expert de l'évaluation, développement des talents et on est distributeur de Hogan Assessment en France. Alors du coup, est-ce que tu peux me parler plus en détail de cette solution Hogan ? Alors oui, en fait, les solutions Hogan, quand on parle de Hogan, c'est trois questionnaires en fait, trois questionnaires différents. Donc les candidats vont compléter en ligne. Ça fait partie des outils aujourd'hui qui ont le plus de fondements d'un point de vue scientifique. Donc on les connaît peut-être pas encore beaucoup en France. Ils sont extrêmement utilisés pour l'évaluation des leaders dans le monde. Et pour autant, nous, on va l'utiliser aussi sur des populations différentes, sur des jeunes talents, sur des collaborateurs même sans responsabilité managériale. Mais la finalité de cette solution, c'est d'avoir une évaluation la plus fine possible. La plus fiable possible des modes de fonctionnement d'un individu. Et alors, du coup, est-ce que tu peux me parler des critères d'un bon recrutement? Il y en a plusieurs, mais c'est vrai que là, on est beaucoup sollicité par nos clients. C'est dans l'optimisation du recrutement, le coût, bien sûr, l'expérience candidat, on n'en parle plus, et puis les qualités, on va dire, psychométriques de la solution de recrutement, donc à quel point mon évaluation peut prédire la réussite de mes candidats dans le poste. D'accord, et alors du coup, tu peux me parler peut-être des ambitions du recrutement? Nous, notre parti pris, finalement, par rapport à ça, c'est de se dire que ces trois critères, ces trois curseurs, finalement, quelque part, ils marchent ensemble. On a du mal à promettre une excellente expérience candidat avec une super validité de la solution par rapport à ce qu'on cherche à prédire, et en plus d'avoir la solution la moins chère. Donc, finalement, l'ambition, c'est toujours d'essayer de se poser la question de qu'est-ce qui fait qu'on va réussir dans le job chez mon client? Donc, quelles sont les caractéristiques qui font qu'on réussit, par exemple, je ne sais pas, dans sa population commerciale, et qu'est-ce qui fait qu'on reste dans cette entreprise? Parce que finalement, la qualité, on va la mesurer aussi sur le long terme, en évitant, par exemple, trop de turnover. Ok, et alors, du coup, comment on fait pour y parvenir? Nous, on propose un modèle dynamique d'évaluation des candidats, c'est-à-dire que, bien entendu, ce qu'on va recommander, c'est d'évaluer les caractéristiques de mon candidat quand tout va bien au quotidien, c'est-à-dire quels sont ses atouts, quels sont ses points de vigilance, probablement quelle est sa réputation dans l'entreprise. Mais associé à ça, on se pose la question de quelles sont ses valeurs et donc finalement, quel est le fit culturel entre mon candidat et la culture de mon entreprise et puis aussi quels sont ses dérailleurs, c'est-à-dire comment est-ce qu'il va supposément dysfonctionner quand il est sous pression. Et ça va nous donner une compréhension de son mode de fonctionnement qui va être beaucoup plus complète. Comment se passe une évaluation avec Hogan pour un candidat? Alors le candidat, il peut être invité à compléter un, deux ou trois questionnaires différents. Il va les compléter en ligne. C'est 15 minutes de passation pour chacun des trois questionnaires. Et il y en a un qui va faire un zoom donc sur ses valeurs. Il y en a un qui va faire un zoom sur sa réputation en situation normale. Et un autre qui va faire un zoom sur ses dérailleurs, donc la façon dont il va dysfonctionner sous pression. Et l'idée, c'est que les résultats qui vont ressortir, ils vont être compilés sous des grilles de lecture très différentes en fonction du besoin du recruteur ou même de l'utilisateur final. Parce qu'aujourd'hui, Hogan, on peut l'utiliser aussi bien dans la phase de sélection du candidat. Et on peut aussi avoir des rapports qui vont nous permettre de l'accompagner. Finalement, un bon moyen d'optimiser son recrutement, c'est de pouvoir aussi coacher son collaborateur dans les premiers mois de sa prise de poste. Et Hogan, ça vous permet d'aller aussi sur cette dimension-là de développement ou de coaching. La meilleure expérience candidat possible pour nous, ce n'est pas simplement une question de temps de passation ou de facilité, entre guillemets, ça c'est la base, mais c'est la richesse du feedback qu'on va pouvoir lui faire. C'est à quel point mon candidat qui vient chez moi, dans le process de recrutement, il va apprendre des choses différentes sur lui, des choses qu'on lui a peut-être jamais dites. D'accord, écoute, merci Chloé, c'était super intéressant et puis à bientôt. À bientôt.